Purchase your tracks today. Santé, Olivier Véran, a lancé une grande expérimentation sur cette antidouleur. Une première en France, cette expérimentation. Hein, il s'agit de vérifier sur 3000 douloureux chroniques répartis sur 215 centres de soins en France, comment le cannabis médical, qui est un médicament, comment le cannabis médical est perçu, comment il marche, comment il organise un peu la distribution et la prescription. Donc c'est vraiment quelque chose. Et d'une certaine façon, vous avez raison, la France va rattraper son retard. Et entre-temps, entre le début de cette expérimentation et maintenant, il y a des patients qui ont encore quelques rares patients douloureux chroniques ont eu accès à ce cannabis médical sur prescription pour savoir un peu et pour voir un peu s'ils étaient soulagés de leurs douleurs et notamment des douleurs neuropathiques. Il y a 20 ans, j'ai fait une mauvaise chute de cheval. Me suis fracturé la première vertèbre lombaire. J'ai eu des douleurs neuropathiques résistantes aux morphiniques. Et en 2003, j'ai trouvé un médecin qui puisse me prescrire du cannabis médical. Je le prends sous forme de gélules, matin et soir, depuis maintenant 18 ans. Le cannabis médical m'a permis d'avoir une réponse thérapeutique, en tout cas une efficacité sur mes douleurs très largement supérieure aux opiacés, sans en avoir les effets secondaires, qui sont les problématiques de sommeil, les problématiques d'appétit. Le cannabis médical semble fonctionner de façon correcte dans un certain nombre de cas, en particulier dans le cas des douleurs neuropathiques, dans le cas des douleurs de la sclérose en plaques, dans le cas de douleurs associées au cancer également. En revanche, on sait que ça ne marche pas dans certains contextes. La lombalgie banale, le lumbago, et il en est de même pour les migraines par exemple. C'est un outil de plus, une arme de plus dans notre arsenal et qui nous permettra d'apporter des solutions à certains patients. Il y a un risque d'addiction, hein, ce sont des produits qui sont addictifs, on le sait depuis longtemps. La prescription du cannabis médical est extrêmement contrôlée, on doit la faire sur des ordonnances tout à fait spécifiques. On a les mêmes contraintes pour d'autres produits, comme la morphine ou ses dérivés. Donc ça fait partie de la classe des produits appelés stupéfiants pour lesquels on a instauré ces règles qui permettent de limiter les risques. Et on a vu que dans certains pays, il y a eu des risques avec ces produits. On est bien sûr extrêmement satisfait d'avoir un patient qui répond aussi bien à ce produit. Mais malheureusement, il faut bien le reconnaître, ce n'est pas toujours le cas. Le cannabis thérapeutique, il me permet de vivre normalement, d'aller travailler, de dormir correctement, de ne pas être envahi par les douleurs. Je ne vois pas comment je peux me passer de ce médicament-là. J'ai de l'espoir sur cette expérimentation parce que j'ai fait l'essai une fois à Amsterdam de prendre un petit bout de space cake. C'était en fait un gâteau au chocolat dans lequel il y a du cannabis et que j'ai dormi vraiment très très bien, ce qui m'arrive jamais. Et que je me suis réveillée le lendemain sans douleur, ce qui ne m'était jamais arrivé depuis l'accident, jamais. Le cannabis pour moi c'est le traitement de la dernière chance. J'ai tellement testé de traitements possibles que mon corps dit stop. Les médecins, ils ont plus d'idées. Et vraiment, j'y crois à fond sur le cannabis thérapeutique. Je pense que ça peut me soulager et sur mes céphalées et sur mes décharges électriques. L'objectif de cette expérimentation, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait, nous aussi, prescrire ces produits à nos patients.
Donc cette expérimentation, elle vise à, surtout donc, à vérifier la faisabilité de cette prescription en termes de dispensation des produits, de distribution de ces produits, auprès d'importation de ces produits ou de production de ces produits localement. Donc, on sait que certains patients pourront bénéficier de ces médicaments. Reste à être capable d'identifier ces patients. Pour l'instant, on n'est pas capable de le faire. Donc on le donne un peu à tout le monde et puis on voit ce qui se passe. Mais il est certain que tous les patients qui ont des douleurs neuropathiques ne vont pas répondre à ces traitements. Donc ça ne va pas être la solution miracle pour traiter tout le monde.